Ça doit faire 10 fois que je tourne cette vidéo, que je tourne cette introduction. Ça doit faire 10 fois que j'essaye de te faire une vidéo sur comment est-ce que tu peux dégager des revenus en tant que développeur. Donc, on va essayer de la faire d'une traite, cette vidéo. Et je vais essayer de te partager avec toi les différents types de business models que tu peux mettre en place pour pouvoir générer de l'argent. Et en plus, ça tombe bien, c'est la rentrée. C'est la rentrée, donc ça veut dire qu'on a des objectifs, on a de la motivation qui arrive, comme j'ai de la motivation par exemple à faire cette vidéo, à te présenter ce type de contenu. Et j'arrête de parler du projet que tu vois en fond d'écran. C'est pas parce que j'avais rien à filmer, hein. C'est tout simplement parce que je voulais vraiment te parler de ce projet-là, qui est géré uniquement avec de l'intelligence artificielle. Et on va voir tout ça ensemble dans cette vidéo. Pour moi, il y a trois catégories, ou tout du moins trois façons de pouvoir générer de l'argent en tant que développeur. Alors, je ne parle pas de la catégorie zéro, d'accord, avant ces trois-là, qui est la catégorie salarié. Je ne dis pas que les salariés, c'est des zéros, attention. Je dis tout simplement que je ne parlerai pas de cette catégorie-là parce que j'estime que le travail de salarié, tu le retrouves dans tous les secteurs d'activité. Là, je te parle vraiment de la face entrepreneuriale que tu peux avoir derrière, d'accord? Donc, vraiment, la première catégorie, c'est peut-être, à mon sens, la plus simple à mettre en œuvre, tout du moins la plus rapide à mettre en œuvre, peut-être pas la plus simple, mais la plus rapide à mettre en œuvre, même si c'est aussi la plus simple, c'est le fait d'être freelance. C'est de proposer tes services et de facturer une entreprise pour les services, pour le temps que tu as passé auprès d'elle. Alors pourquoi est-ce que je dis que c'est la plus simple ou la plus rapide? C'est que si tu compares en fin de compte un salarié avec un freelance, bah, tu fais exactement le même job. Un salarié, lui, va se faire assister par un petit gars du Pôle emploi qui va lui distribuer des petites offres d'emploi, et puis il va aller à différents rendez-vous, et puis il va proposer son petit CV. Bah, le freelance, il fait exactement la même chose. La seule différence, c'est que le Pôle emploi, bah, il existe pas, c'est LinkedIn. Il va contacter les entreprises, il va se rapprocher des entreprises, il va proposer du contenu qui va attirer l'œil des entreprises, et sur cette base-là, bah, il va proposer son savoir-faire à l'entreprise comme un salarié proposerait son savoir-faire lors d'un entretien d'embauche. Donc c'est pour ça que je dis que c'est le plus simple ou peut-être le plus efficace en fin de compte pour essayer de commencer à dégager des revenus en tant que développeur. Après, bien évidemment, mais j'en parlerai pas dans cette vidéo, tu as les avantages, tu as les inconvénients de chacune des catégories, et si vraiment tu veux qu'on fasse un sujet là-dessus, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Ceci dit, voilà, cette catégorie étant posée, on va plus discuter des deux autres catégories qui m'intéressent ou que j'ai envie de partager avec toi. La deuxième grande catégorie, la deuxième grande famille, c'est une famille sur laquelle je me suis penché pendant très longtemps, sur laquelle je me suis aussi cassé les dents pendant très longtemps, mais qui a eu quand même un certain nombre de succès, hein, bien évidemment, je te les ai partagés aussi sur cette chaîne-là. C'est le fait de développer des applications pour pouvoir mettre en place un business model derrière. Tu as trois gros business models, hein, que tu peux mettre en place sur les applications. Le premier, c'est le vendre l'application en one shot. Voilà, c'est tu la vends en une fois, et puis boum, basta, terminé. Le client se barre dans la nature avec ton application. Moi, je te recommande pas ça. Je me suis jamais penché là-dessus. J'ai jamais voulu faire ça parce que je trouve pas ça intéressant. Et puis après, tu as les deux autres business models qui sont soit la publicité, donc le fait d'intégrer de la publicité dans ton application, d'accord? Ou autrement, tu as le fait de pouvoir intégrer un abonnement dans ton application. Après, ça dépend de chacun des développeurs, hein. Concrètement, si tu n'as pas envie de t'embêter à gérer de la facturation, parce que bah, forcément, si tu donnes un abonnement dans une application ou tu mets un abonnement dans une application, bah, derrière, ça implique de faire des factures, ça implique de pouvoir répertorier ces facturations pour faire bah, de l'administratif et déclarer ça en tant que charge auprès bah, des différents systèmes de l'État qui se servent allègrement sur tes gains. Et pour le coup, bah, à partir de là, ça te donne quand même une certaine charge de travail supplémentaire. Si tu mets de la publicité, bon bah voilà, t'es payé une fois tous les X jours sur la rémunération de ta publicité parce que les gens ont consommé ton application, et ça s'arrête là. Et donc, bah, en fonction de l'effort que tu as envie de faire, bah, pour le coup, comment dire, cet effort-là, ça va aussi en faire découler ta rémunération par la suite. Alors, je dis rémunération, mais c'est pas la bonne façon que je devrais évoquer, c'est plutôt le chiffre d'affaires, parce que bien évidemment, ce que tu gagnes en termes de revenus, ou tout du moins de retour financier, ce n'est pas du revenu direct, c'est du chiffre d'affaires. Ça veut dire qu'à partir de ça, bah, il faut que tu enlèves les charges, notamment à l'URSSAF, les impôts,
Et puis bah, aussi tous les avantages que tu n'as pas en tant que salarié qu'il faut que tu arrives à compenser. Donc, en fonction de ça, bah, voilà, tu peux choisir ton type de business model. Et encore une fois, bah, tu peux très bien proposer par exemple une application de bureau, faire payer ton client par exemple une fois 200 euros à l'achat de ton application, et puis de proposer un abonnement une fois par an pour conserver la possibilité d'avoir des mises à jour. Donc 50 euros ou 100 euros tous les ans, une fois par an, ça se fait beaucoup ça, surtout sur les applications de bureau, moins sur les formats mobiles, d'accord. Mais par exemple, tu proposes un logiciel de montage vidéo. Tu lui proposes donc bah, d'acheter le logiciel de montage vidéo 300 euros la première année. Et puis s'il veut les mises à jour des années futures, bah, pour le coup, tu lui proposes un abonnement. Donc tu peux quand même, le premier business model qui est vendre une application one shot, tu peux quand même proposer un petit abonnement supplémentaire derrière, tu vois. Il y a toujours moyen de combiner les différents types de business model, comme la publicité, c'est pareil. Tu peux très bien proposer la publicité sur ton application et puis de proposer une offre premium derrière. Par abonnement, quand tu seras prêt. Ça peut être une étape en fin de compte. C'est à toi de choisir le business model et de les combiner. Si aujourd'hui tu n'es pas prêt à faire de la facturation, à proposer une facturation par abonnement sur ton application, mais par contre que tu te sens prêt à mettre de la publicité ou que la publicité couvre largement tous les frais que tu as derrière, bah, commence avec de la publicité. Et puis après, plus tard, tu améliores ton application et bah, tu vas mettre une offre à abonnement. Une application, tu sais, c'est un petit peu. Je le vois souvent, ce comparatif-là, enfin, dans mon esprit, comme investir dans les actions. C'est, quand je te parle d'actions, c'est acheter du Nvidia, acheter du Apple, acheter du Microsoft, etc. etc. Ben, tu as un effort au départ à effectuer. En tant que développeur, tu as l'effort intellectuel de développer un service, un SaaS, une application mobile, une application de bureau. Dans les actions, bah, tu as un investissement, un effort financier à faire au départ. Mais dans les deux cas, tu as une bonification en fin de compte du produit. C'est-à-dire que d'un côté, tu vas améliorer ton application, elle va se bonifier. Et le fait que cette application se bonifie, s'améliore, eh bien, pour le coup, tu vas avoir une rémunération, pardon, qui va être plus importante. Si au début, tu ne mettais que de la publicité, et puis qu'au final, tu proposes l'abonnement pour supprimer la publicité, peut-être que l'abonnement sera plus intéressant. Aussi bien en termes de revenus, mais en termes de stabilité aussi financière, plus intéressant, et parce que tu auras bonifié en fin de compte ton application. Et les actions, dans la finance, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que tu achètes une action Apple à 100 euros, par exemple, demain elle vaut 101 euros, elle se sera bonifiée, et tu auras gagné de l'argent, tu auras gagné un revenu supplémentaire, tu vois. Donc pour moi, je compare souvent les deux choses en même temps. Parce que, et plus encore dans le sujet qu'on va évoquer ensemble juste après, parce que bah concrètement, tu as toujours un petit effort à faire initialement. Ça peut être un effort financier, ça peut être un effort intellectuel, ça peut être un effort des deux côtés, financier et intellectuel. Et ces efforts-là, en fin de compte, que tu mets au départ, comme tu mettrais de l'essence dans une voiture, comment dire, vont te permettre de faire démarrer en fin de compte ton système et faire grossir justement, faire accélérer ce système-là par la suite, aussi bien en termes d'amélioration continue de ton produit, mais aussi d'amélioration continue de ton revenu, d'accord, de ton chiffre d'affaires. Et puis, bah, il y a cette autre catégorie, parce que là on a vu le fait de vendre one shot une application, on a vu le fait de mettre de la publicité ou le fait de proposer des abonnements, puis après bah, de pouvoir combiner en fin de compte ces différents business models. Mais il y a une autre façon que je trouve intéressante et sur laquelle je m'amuse beaucoup en ce moment. Et si ça t'intéresse, je vais te partager ça dans d'autres petites vidéos au fur et à mesure sur cette chaîne. C'est ce que je vais appeler la méthode des petits pas. C'est de mettre une petite action régulièrement pour pouvoir faire grossir un business. C'est un test, hein. C'est vraiment un test grandeur nature que j'ai lancé, tu vois, je te donne la date, hein. Je l'ai lancé le 2 août. Le 2 août, on avait sur cette chaîne YouTube-là, qui est uniquement gérée par de l'intelligence artificielle, je vais t'en parler un peu plus en détail, mais c'est uniquement géré par de l'intelligence artificielle, et bien concrètement, on est parti de 0 visiteur, 0 vue par jour, d'accord? Le 2, tu vois, le 2, le 3, le 4 août, le 4 août, on avait 4 visiteurs, voilà, 4 août, 4 visiteurs, on a commencé justement
à lancer le truc. Et puis bah, pour le coup, cette chaîne-là, j'avais balancé quelques vidéos, bon, ça a fait quelques vues, et après, je suis passé en mode intelligence artificielle, full intelligence artificielle, à partir du 20 août. Regarde la progression qu'il y a eu entre le 20 août et aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que je veux te montrer par là? C'est ce que j'appelle la méthode des petits pas. C'est de développer des outils. En tant que développeur, tu vas me dire, je ne suis pas youtubeur, je suis développeur. Donc YouTube, ça ne m'intéresse pas. Mais tu vas voir que tu peux très largement trouver d'autres usages à ça. C'est de développer tes propres outils. De ne pas développer des outils pour les autres, mais de développer tes propres outils que tu vas utiliser toi pour ta propre productivité, pour pouvoir dégager ton propre revenu. Là, je fais l'expérience sur YouTube, d'accord, de générer des vidéos en 100% intelligence artificielle, de telle sorte à faire grossir cette chaîne-là, puis à débloquer la rémunération, enfin la monétisation de la chaîne par la suite, et puis de faire grossir tout ça. Mais c'est de développer tes propres outils de productivité pour pouvoir engendrer des revenus dans d'autres secteurs qui n'ont pas forcément à voir avec le développement. Bien souvent, quand on est développeur, on se dit bah, je vais développer mon application et ça va être une application développée par un développeur pour peut-être pas d'autres développeurs, mais voilà, qui sera vue par un développeur et c'est aussi une des problématiques qu'on peut avoir. Par contre, si tu commences à sortir un petit peu de ton environnement de développeur et que tu essayes de voir un peu plus large, bah, tu vois qu'il y a d'autres activités que tu peux développer. Moi, il y a une activité qui m'intéresse beaucoup, c'est l'activité de YouTube. J'ai plusieurs chaînes YouTube, notamment celle de Nico Develop, mais tu vois, celle-ci que j'ai créée il n'y a pas très longtemps que ça, le 4 août, enfin le 2 août, on n'avait toujours pas de visiteurs. Et là, on commence vraiment à augmenter ce chiffre-là. Mais l'idée, par le biais justement de développer tes propres outils, ça va être de correspondre à un besoin spécifique. Effectivement, l'outil ne sera pas générique, ne pourra pas être proposé à absolument tout le monde, tu vois, mais sera suffisamment spécifique pour répondre à un besoin que tu vas avoir de façon à faire de la production. Moi, j'ai choisi YouTube, et pour t'expliquer le concept de ce projet-là, il est très simple, enfin, il est très simple, il est relativement simple, c'est de proposer de l'actualité économique régulièrement. Mon objectif, par l'intermédiaire de ça, c'est effectivement de débloquer la rémunération YouTube. Sur Nico Develop, par exemple, la rémunération est débloquée, et donc du coup, je vais toucher un petit revenu sur les petites vidéos qui vont sortir régulièrement, tu vois. Mais là, dans ce cadre-là, on part de zéro, on parle d'absolument rien du tout, de pas de visiteurs, donc pour l'instant, il n'y a toujours pas de rémunération sur ce type de chaîne. Donc là, l'idée, bah, ça a dû être de concevoir tout le système qui me permet de la rédaction du contenu jusqu'à la publication de la vidéo, de tout gérer en 100% automatique. La seule chose que je vais faire en fin de compte dans ce business, c'est de lire de l'actualité économique, ce que je faisais déjà d'avance, c'est-à-dire que je consommais de l'actualité économique, je trouvais des choses intéressantes, d'autres moins intéressantes, et je me suis dit, bah, écoute, je vais recycler ce contenu-là. Et je vais utiliser l'intelligence artificielle pour en sortir des petites chroniques de 30, 40, 50 secondes dans lesquelles bah, je vais faire la revue en fin de compte économique. Et ça, tu peux le faire dans plein de choses, hein. Tu peux le faire dans l'automobile, tu peux le faire dans le développement. Je suis sûr que sur Nico Develop, je pourrais faire exactement la même chose. Tu présentes un package NPM, tu fais une petite vidéo rapide du package NPM. Et tu fais tout ton montage avec l'intelligence artificielle derrière. Je suis sûr que c'est réalisable dans plein de secteurs d'activité. Et ce que j'ai fait derrière, bah, c'est que j'ai développé en fin de compte une application complète, assez avancée, qui va utiliser à certains moments l'intelligence artificielle et qui va me combiner toutes ces choses-là pour pouvoir sortir des vidéos sur cette chaîne-là. Et moi, ce que je te propose en fin de compte, c'est de suivre ce petit élément-là, de t'expliquer plein de petites choses. J'aurais pu te faire une grosse vidéo qui t'explique comment est-ce que j'ai mis le logiciel en place, qu'est-ce que j'ai codé dedans, comment est-ce que je l'ai codé, pourquoi est-ce que j'ai fait comme ça, mais je me suis dit que ça serait une grosse, trop grosse vidéo et que pour le coup, ça serait bien de scinder ça en plusieurs parties. Donc, c'est un test que je vais réaliser. En tout cas, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à publier parce que, vu la croissance, tu vois, on est parti à ce stade-là, là, cette partie-là, là où on était ici le 20 août.
le 20 août, on tournait à moins de 1000 visiteurs tous les 48 heures, tu vois. Sur YouTube, si tu connais pas trop, là, tu as ton interface graphique où tu as les statistiques du jour précédent. Donc là, on tourne le 30 août, donc le 29 août, j'ai fait 1671 visiteurs précisément, d'accord? Mais sur l'espace de 48 heures, je tourne à peu près 3200, 3300 visiteurs. On est en train de se stabiliser autour des 3000 visiteurs pour une période de 48 heures. Donc, ce qui commence à être intéressant, parce que quand on était dans la période du 20 août, j'étais aux alentours des 800, 900 visiteurs par jour, enfin tous les 48 heures. Puis après, on est passé à 1000. Puis après, on est passé à 1500, 2000. Donc, on a des petits niveaux, des petits levels qu'on est en train de dépasser. Ou tout du moins, je dis on, mais c'est moi qui les dépasse en fin de compte, mais que je dépasse au fur et à mesure. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire un petit suivi de ça ensemble, de façon à ensemble bah, décrocher en fin de compte à cette fameuse rémunération sur YouTube, de t'expliquer comment est-ce qu'on peut faire ça, et puis de te donner aussi des astuces pour que tu puisses bah, reproduire ça de ton côté si tu le souhaites. Ça peut être dans d'autres domaines. Aujourd'hui, il y a plein de façons. Tu as Twitter sur laquelle tu peux débloquer de la rémunération. Il y a YouTube, il y a TikTok, il y a Telegram maintenant qui te permet d'avoir la rémunération. Donc toi, tu peux débloquer des petits éléments de rémunération, mais tu peux surtout automatiser un certain nombre de choses là-dedans pour pouvoir te faciliter le travail. Parce que quand on est développeur, on n'a pas forcément que des communautés à gérer, tu vois. Donc, si tu as apprécié ce type de contenu, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses, et puis ben, on fera d'autres sujets si tu as d'autres sujets sur lesquels tu souhaites que l'on discute justement dans ce domaine-là. En tout cas, je te dis à plus tard.